de Sylvie Vartan. Dans les cabinets, y'a des mouches qui cannent. Dans la caravane, on pique des vieux pneus aux autres caravanes. Puis on y fout le feu quand elle jerrycan. Pour le midi, pas de soucis, y'a toujours une poule qui t'aide pas ici. Pedro, Pedro, attrape-la. Ah, elle est partie par là. Et attrapez-la, Pedro. Ouais. On est les gypsies de la caravane. Qu'on chauffe au méthane. Y'a même plus la place d'émettre une banane. Dans la caravane, pendu au plafond des saucissons d'âne. Un poster des coups de Sylvie Vartan. Dans les cabinets y'a des mouches qui cannent. Dans la caravane. Va, Pedro, Pedro. Si, Juan. Alors à toi l'essence. Si, y'a l'essence, regarde. Alors mets-la là. Et faudrait une petite allumette. Que y'a l'allumette. Ah, ore. Alors qu'est-ce que tu vas faire cuire maintenant, hein? Il fait cuire la poule et un merguez. Bah, elle est toute petite, ta merguez. Je vais te montrer si elle est petite, ma merguez. On est les gypsies de la caravane. On dort à 25 au chauffe au métal. Y'a même plus la place de mettre une banane. Dans la caravane, pendu au plafond des saucissons d'âne. Un poster des coups de Sylvie Vartan. Dans les cabinets, y'a des mouches qui cannent. Dans la caravane. Qu'est-ce qui t'a, Juan? Mais qu'est-ce que t'as? C'est la calor. Ah, tu as pas quelque chose à boire? Si, bouge pas. Y'a de la vitelle, de la volbic et de la vadois. Faut pas approcher de notre caravane, sinon y'a Franco, il te mord la couane. Il est petit, pas abruti, il mordait les gens qui ont une képi. On met les gypsies de la caravane, on dort à 25 au chauffe au méthane. Y'a même plus la place de mettre une banane. Des saucissons d'âne, un poster des coups de Sylvie Vartan. Dans les cabinets, y'a des mouches qui cannent. Dans la caravane. Bonjour, messieurs, gendarmerie nationale, papier du véhicule, s'il vous plaît. Y'a pas les papiers du véhicule, c'est mon frère Juanito qui est juste devant qui l'allait. Porte de séjour, permis de conduire. Couchez, Franco, couchez. Qu'est-ce que c'est le clé? Carte de vaccination du clébard, là, c'est à vous le clébard. Franco, couchez, les messieurs, les bâchers. Dégagez, monsieur, dégagez. Gypsies de la caravane, on dort à 25 au chauffe au méthane. Y'a même plus la place de mettre une banane dans la caravane. Allez, chauffe! Allez, on y va, M. Roubaix. C'est parti, la purée de nous autres. Aïe, 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 aïe. Je veux voir tout le monde debout, là. Tout le monde debout, avec la transpiration sous les bras. Et on tape dans les mains. Allez, c'est parti. Je suis le roi du prêt-à-porter, maître tailleur. L'empereur du slip à midonné, du string en couleur. Je vends de la jupe à toutes les fesses qui se tortillent. Dans toutes les jupes, j'habille toute la famille. Pendant que vous bronziez en caleçon sous la chaleur, Maurice y bossait comme un con au Benamous Center. À vous négocier des espadrilles à 30 balles. Purée de nous autres que la cune des espadrilles, je gagne que dalle les espadrilles. Je prétends pas faire. C'est le blé sur des cailloux. J'suis pas comme Ben Chetrit que l'autre c'est un voyou. Mais là pour faire rentrer les liasses de 500, j'vais faire un truc j'ai jamais osé faire avant. Je vais solder les chemises. Je vais solder les chemises. Fermé, je vais foutre le feu que sur la vie de ma mère.
purée de nous autres, je suis le champion des affaires. J'ai installé pour lutter contre les voleurs une petite pancarte, tout ce que j'ai écrit au marqueur. N'oubliez pas de tout payer avant de sortir. En plus à lire, c'est vrai que ça me fait plaisir. Et solder, 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 solder là. Et solder, 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 solder la chemise. Et solder, 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 solder là. La pluie, le vent et le froid m'ont refilé un truc que je connaissais pas. J'ai attrapé d'un coup comme ça. Ça vient sûrement du changement de climat. J'ai pris du sirop pour la toux. J'ai mis deux écharpes autour du cou. J'ai pris des pastilles au goût de miel. Mais tout ça, ça résout pas le problème. J'ai pris des camomilles, des verveines, mon pyjama, mes chaussettes de laine. J'ai le nez qui se bouche, j'ai la migraine. Jamais vu une crêpe comme la mienne. Oh, Aïe, aïe. Excusez-moi. Aïe, aïe. Ça passe pas. Aïe, aïe. Quel désarroi. Aïe, aïe. Ça passe pas. Excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi.
souffle, on se voit à peine. Y'a carrément plus d'oxygène. Je me roule une dernière tranche des dames. Et puis j'ai plus les yeux qui tiennent. À qui que le fils du vieux chichon est venu me chercher. Mais comme il était fin détruit, il a eu du mal à me trouver. C'est lui qui a la recette. Et puis les ciboulettes. C'est lui qui taille les feuilles, il sait même plus où les mettre. On roule au parmesan, au gingembre, au gruyère. Aux épinards, si on a rien, c'est bon parce qu'il y a du fer. Toute la tribu s'est réunie dans la piole à Samir. Mais comme il a paumé la clé, y'a plus moyen de sortir. Et y'a son frère couché par terre dans un état de zen. Qui voit des nains qui poussent petit tout rouge avec des ailes. Dans tout l'étage, j'entends son vieux qui braille. On y a tiré le papier water, c'est pour rouler la paille. C'est bien la première fois qu'on voit son père hurler comme ça. Il est vraiment pas digne de la tribu des Rastas. Quelques émanations torrides, on était cuit. On a même vu quelques lapins se taper un parapluie. Putain, c'était terrible, on ne voyait plus que des ombres. Et puis les lapins qui revenaient toujours en surnombre. Mes frères grimpaient l'un après l'autre au-dessus de l'armoire. Pour bien arroser la moquette à grands coups d'arrosoir. On n'a jamais rien fait pousser, ce n'était pas la peine. Dans la cuisine, on a trouvé un sachet de verveine. J'entends des sirènes. J'ai mangé mon peigne. T'as les cheveux qui saignent. T'as les bras qui traînent. J'entendais des sirènes et puis maintenant je les entends plus. Non mais faut que t'arrêtes la verveine, c'est ça qui te fout l'alu. L'alu a continué comme ça jusqu'au soleil couchant. Et puis toute cette fumée qui s'échappait en s'échappant. Il faudrait que j'ouvre la fenêtre, on va quand même pas crever là. Ce serait vraiment pas digne de la tribu des Rastas. On a voulu la sauver, c'était trop tard, elle était morte. Des gars ont débarqué avec leurs jolis casques en fer. Et puis de gros tuyaux, des rouges, des bleus, des jaunes, des verts. Ils arrosaient par terre, je ne comprenais pas. Vu qu'on avait essayé hier et puis que ça marchait pas. Quand j'ai mieux vu ces gars-là, tout autour de moi. J'ai tout compris qu'ils étaient là, voilà pourquoi. La fumée qui s'est échappée a déclenché l'alarme. On était déjà bien déjantés, ça faisait un vrai vacarme. J'étais fini, je voyais la marée monter. Non, y'a plus d'espoir là, c'est sûr, on va crever, noyer. Mais heureusement d'un coup, ils ont arrêté leur fontaine. On a roulé leurs tuyaux pendant qu'ils coupaient leurs sirènes. Ils nous ont même offert leur hache comme on n'en avait pas. Ils sont devenus dignes de la tribu des Rastas. Excuse. Dans la vallée, oh, des Rastas, dans la vallée, oh, on va pousser des bigorneaux. Dans la vallée, oh, des Rastas, dans la vallée, oh, la brume ne vient pas d'en haut. Hey. Quoi? Encore une fois. J'ai plus envie là. Ça y est, y arrive à compter sur mes doigts. Un, dos, tres. Avant, y arrivait pas. Un, dos, tres. Ça y est, y arrive à compter sur mes doigts. Un, dos, tres. Avant, y arrivait pas. Yeah.
te montrer. Ferme la porte. Il a fermé la porte et alors? Et alors à Maria, il va lui faire découvrir l'amour. À bord. Regarde. Et hop, et voilà. C'est tout? Eh oui. Bah tu peux les refaire? Ah oui, je peux les refaire, mais oh, et pas avant demain. C'est sûr, et bien 2 heures par jour au maximum, ça c'est sûr. Dans l'ascenseur, il a mis un fauteuil pour s'asseoir. Et ça descend. Au gouvernement, quand il passe le seuil, de tous les côtés, il n'arrête pas de magouiller. Comme ça, comme si ça tombe de tous côtés. Je ne suis jamais certain de la voiture que je vais lui emprunter pour épater mes amis avec une Lamborghini, nouvelle Ferrari. Mon papa c'est le plus fort, quand il entend pimpon, il sait que c'est encore l'alarme de la verrière. Mon papa à moi est milliardaire, mon papa à moi est milliardaire. Il a des yachts à plus savoir qu'en faire. Mon papa à moi est milliardaire, mon papa à moi est milliardaire. Il a des yachts à plus savoir qu'en faire. Fils, oui, super, hein. La vie c'est très facile, n'est-ce pas? En 1h30 tu t'achètes une nouvelle piscine. Oui. Le problème c'est le choix des carreaux. Ah bon? Si ce n'est pas coordonné, n'est-ce pas? Il y a tout qui tombe à l'eau. Non. Mon papa à moi est milliardaire. Mon papa à moi est milliardaire. Il a des puits de pétrole tout autour de la terre. Puits de pétrole tout autour de la terre. Il me donne de bons conseils pour se faire de l'oseille. Comment placer à droite, à gauche. Et même quand le fisc se met à chercher, l'argent a transité et puis il est plus là. Il ne m'influence pas, il guide mes pas. Il m'offre des avions, bateaux, des vrais, des gros. Des terrains et aussi des majordomes, des usines, des copines, des rousses, des brunes et des blondes. Je peux avoir tout de suite, en moins d'une seconde, tout ce que je veux. Et quand je le veux, c'est ça la vie, la vie, la vie de milliardaire. Et moi je dis, c'est le meilleur des pères. Hey, attention hein, fiston, oui. Y aura toujours des gens dans la misère pour cracher sur ton père qui est milliardaire. Oh, qu'ils sont cruels. Mon papa à moi est milliardaire. Mon papa à moi est milliardaire. Il a des coffres forts et puis des comptes bancaires. Mon papa à moi est milliardaire. Mon papa à moi est milliardaire. Il a des coffres forts et puis des comptes bancaires. Elle sourit, un
immédiatement il se casse. Et ben ça fait réfléchir. Pour lui parler, il faut gueuler comme un sourd. Son regard c'est par la bourre. En plus faut s'en occuper. Apprendre à m'aimer. À brosser ses dents sans les faire tomber. Apprendre à m'aimer. Apprendre l'escalier sans se laisser glisser. Apprendre à m'aimer. À manger sa soupe sans nous asperger. Apprendre à se nourrir sans baver. Elle se lâche par erreur. Je peux vous dire que ça ponctue. Elle vit dans le noir. Elle fait penser aux vampires. Avec la lumière c'est pire. Elle se fait peur dans les miroirs. Apprendre à m'aimer. À brosser ses dents sans les faire tomber. Apprendre à m'aimer. Apprendre l'escalier sans se laisser glisser. Apprendre à m'aimer. À manger sa soupe sans nous asperger. Apprendre à se nourrir sans baver. Elle fait souffrir les chiens qui pissent contre les murs. Les gens qui circulent en voiture. Ça lui procure du plaisir, même enterré. Quand on descendra ses cendres, avec toute sa haine à revendre, à fera crever les rosiers. Apprendre à m'aimer. À brosser ses dents sans les faire tomber. Apprendre à m'aimer. Apprendre l'escalier sans se laisser glisser. Apprendre à m'aimer. À manger sa soupe sans nous asperger. Apprendre à se nourrir sans baver. Sans baver. La satellisée. La ventilée. Et il n'y a plus de mémé. Non, il n'y en a plus. Avec des babouches, hein. C'est pas des babouches, c'est mes pieds qui rebiquent.
pas bien bon, je vous propose de draguer ça. Bah oui, mais on est deux. Et puis il y a qu'un... S'ils sentent de la bouche, vaut mieux qu'on retourne sur la plage, au moins là-bas. Super sympa, Rotterdam. Oh, wow, bah t'es là, salut. Ouais, on t'engueule, Oh, excuse. On va te chanter un truc que tu peux reprendre en cœur. Le premier couplet c'est facile, on va faire des rimes en heure. C'est vachement pas difficile, ça rentre comme dans du beurre. Allez vas-y DJ Bomber, qu'est-ce que t'as comme rime en heure? Ouais je vais te le dire, si t'arrêtes de planter ma sœur. On a flipper, moteur, scooter. Ouais tu vois, c'est pas difficile pour devenir rappeur. On va faire des rimes en haut. D'un moment au bistrot, j'ai piqué son sac à dos. Moi j'ai chez moi un poulet chaud hier soir dans un resto. Dans mon auto, j'ai mis la stéréo. Ouah, c'est pas pour les blaireaux, et vise un peu l'autoradio. Ziaf, mais Adon, faut faire péter la sono. Ouais, ça bouge toute la batterie, vas-y, mollo. Thank you.
que ça à faire, chanter des chansons en bouffon. Bouffon toi-même. Tu crois que ça amuse les gens, des chansons de bouffon? Hein? Qui ça? Par centaines, françaises ou coréennes, de belles américaines, des scorches basque à slovène, diesel ou turbo, Cadillac, 4L ou Polo. On s'est graissé des montées huilées depuis l'âge des berceaux. Ne nous disez pas que l'on fout rien de la journée, à récupérer des pièces de bagnole éclatées. Dans la casse, tout mon temps je passe lasse, à démonter des vitres et des portières de limousine. Les rustines, les bobines que j'entrepose, quand je tape dessus, elles se métamorphosent. Nos pièces détachées, bah elles proviennent toujours des voitures stationnées dans un des quartiers alentours. On travaille à fond comme personne, on ouvre les bagnoles de sport sans que les alarmes sonnent. Quand il faut fuir, quand il faut s'enfuir, bah c'est ce qu'on fait de mieux. Parce qu'il n'y a pas à réfléchir, on démonte des pneus. On possède un garage dans les parages, on démonte des pneus. Oh comment? On démonte des pneus. On possède un garage dans les parages, on démonte des pneus. Ouais, attends, qu'est-ce que tu dis? Le soir, tapis dans l'ombre, j'opère, génère de l'argent, je suis là, caché, j'ai ma paire de gants. C'est pas compliqué, berline ou coupé, on va t'indiquer comment c'est qu'il faut faire pour les débrouiller. Faut surveiller les flics, les gendarmes, le commerce d'alimentation ou que le patron est un bouffon. Dans un pays où l'économie est au plus bas, eh ben nous on peut dire qu'on a trouvé un petit job sympa. D'abord faut arriver doucement, en se glissant, entre le trottoir et la voiture, en stationnement. T'as un fil de fer, lentement tu l'introduis, dans le joint de la portière tu tires un coup, puis c'est fini. Voilà notre capital multiplié, et sans violence et sans un bruit. Mais le plus dur est pas fini. Y'a des fils à défaire, à ne plus savoir qu'en faire. Comme dit ma mère, t'arriveras si tu persévères. On démonte des pneus. On possède un garage dans les parages, on démonte des pneus. Quoi? Hein? Qui ça? Ah ouais. On démonte des pneus. On possède un garage dans les parages, on démonte des pneus. Ouais, attends, quoi? C'est pas le boxon, on organise sans confusion l'inventaire, le stockage, la vente et la livraison. On alimente les réseaux de distribution, car chez nous le client est roi. Mais pas de chéquier ni de carte Visa. Traumatisme, c'est qu'en pleine saison, par un beau matin, ben on s'est réveillé, on n'avait plus rien. Il y avait plus d'enjeux livreurs de BM, de frein à tambour, ni de carbu de Citroën. Je dirais même, c'était le néant, il y avait plus un seul pare-choc chromé, ni un clignotant. Mortel, dans ton radio, abracadabra. On réalise d'un coup que tout le matin s'il est plus là. On s'est tout fait tirer par deux gamins de notre quartier. Ces deux jeunes qu'ont pas de respect. Apprenez que l'ennemi n'est pas celui que tu crois, et que tu peux te faire niquer par des plus petits que toi. Qui démonte des pneus? Qui possède un garage dans les parages? Qui démonte des pneus? Qui démonte des pneus? Mais c'est bon, ouais, non, qui possède un garage avec, dans les avec parages? Avec aussi on peut le faire, hein. Oh ouais, mais si je fais qui demande des carbus? Non, t'as raison, voilà, ça fait moi. Bouffon. Ouais, cela dit, les bouffons, ils nous ont tout tiré le matos, hein. Ouais. Attends, les enjoliveurs de BM, attends, s'y va. Ah ouais, je me suis cassé l'oignon pour essayer de les avoir. Qui demande des enjoliveurs de BM? Mais non, mais t'es bouffon, quoi. Mais chante pas tout ce que je te dis, t'es idiot, quoi. Chante pas ce que je te dis. Oh, t'as s'y va. De toute façon, je me demande pourquoi je suis avec toi, vraiment, t'es idiot. Ah, pourquoi t'es avec moi? Bon, allez, arrête maintenant. Ah bah attends, on n'est pas en fini. C'est toi qui est pas fini. Oh, de où je suis pas fini? Qu'est-ce que tu dis? Je m'appelle Jean-Édouard, je me suis mangé la porte avec la pizza au lard qu'il fallait que j'apporte. Et j'ai marché dedans, c'est encore mon patron. Je connais la musique qui va m'appeler du con. Y avait une canette, mais qui était pas pour moi. Je me suis dit peut-être je la boirai ou pas. Je l'ai bu,
J'aurais pas dû, je crois. J'aurais jamais dû faire livreur de pizza. Faut que je la livre ou je me fais jeter. Je l'ai dans mon sac, mais je suis pas doué. No attente when you have commandé. You can call a pizza every day. You can call a pizza every day. Au moment de partir, j'étais déjà en retard. J'arrivais pas à lire l'adresse, il faisait trop noir. Ils m'ont cassé la gueule quand je les ai rencontrés. Ils m'ont piqué la meule, la pizza ils l'ont laissée. Faut que je la livre ou je me fais jeter. Je l'ai dans mon sac, mais je suis pas doué. No attente when you have commandé. You can call a pizza every day. You can call a pizza every day. Allô, pizza, les gars, la pizza, Simone, elle va vous servir toute. La commande de 24, elle est où là? Aux olives ou pimentées, je l'ai dans mon sac, prêt à livrer. Aux olives ou pimentées, je l'ai dans mon sac, mais je suis pas doué. Faut que je la livre ou je me fais jeter. Je l'ai dans mon sac, mais je suis pas doué. No attente when you have commandé. You can call a pizza every day. Every day. C'est bon. Ah bon. Oui. Il faut faire pour ça de hautes études en chou-fleur. Tous les 25 cm, il faut faire un trou pour mettre à l'intérieur une petite graine de chou-fleur. Moi je suis agriculteur, à la pointe du bras, et je plante des chou-fleurs, à tour de bras, installé sur mon tracteur. Je ne pense qu'à ça, je suis l'ami du chou-fleur, et vice versa. Faut semer en mars, avril, puis les arroser de profil, d'une manière habile pour faire peur aux choux-fleurs. Puis faut leur causer doucement, et puis bien dans le sens du vent, pour contribuer au développement du chou-fleur. Moi je suis agriculteur, à la pointe du bras, et je plante des choux-fleurs, à tour de bras, installé sur mon tracteur. Je pense qu'à ça, et je chante en débardeur ce refrain-là. Là, Quimper
knock le zout. Je les récolte au mois d'août, en pleine chaleur avec un petit sécateur. Y a des intellectuels qui travaillent à Bruxelles qui m'avaient dit mais lancez-vous dans le chou-fleur. Moi je suis agriculteur à la pointe du Rhin et je plante des chou-fleurs à tour de bras installé sur mon tracteur. Je ne pense qu'à ça. Je suis l'ami du chou-fleur et vice versa. J'en ai fait 500 000 tonnes, j'en ai vendu à personne. Du coup je me retrouve avec tout ça dans le valseur. L'année prochaine, je serai moins con, je ferai dans le potiron. Parce que cette année, je me suis pris le chou, fleur. Je serai toujours agriculteur à la pointe du Rhin et je planterai du potiron à tour de bras installé sur le même palteur. Je pense qu'à ça. J'irai où mes potirons et vice versa. La 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 la. La 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 la. Je bosse dans un bureau du sixième, je suis tout blême, faut que je m'en aille. Et les pizzas tous les midis, ravioli, spaghetti et paella moisie. J'ai l'estomac qui ne répond pas quand je lui balance tout ça. V'là que ça me reprend, j'en rêve la nuit. J'ai qu'une envie, une raclette au ski. Cette odeur-là de fromage cuit
Ça sonne. Je te dis que ça sonne. Alors là, là, on est en... Mais réveille. Je te dis qu'il sonne. Le réveil tous les matins c'est pareil. Ben je l'entends pas. C'est comme ça. C'est comme c'est comme quand ma femme elle se met à hurler sur moi. Oh, ça sonne. Ben je l'entends pas. C'est mieux comme ça. Mais quand elle me gueule dessus, sur ce ton, tu vas rasser ton bol. J'ai bien l'image mais pas le son. Sourd, je deviens sourd. J'ai le sonotone, c'est fait pour ça l'arsène. Puis ça vient pas des oreilles. Sourd, je deviens sourd. Elle me casse les pieds nuit et jour. Elle m'harcèle. C'est pour ça que je coupe mon appareil. Comme tous les soirs, c'est pareil. Voilà que ça va. Ça revient comme ça. C'est comme quand les copains au bar ils posent avec moi. Ben voilà que ça va. Va savoir pourquoi. Mais quand elle me gueule dessus, sur ce ton, j'ai bien l'image, mais plus le son. Et qu'est-ce que tu bougonnes dans ton coin encore? Sourd, je deviens sourd. J'ai le sonotone, c'est fait pour ça l'arsène. Puis ça vient pas des oreilles. Sourd, je deviens sourd. Elle me casse les pieds nuit et jour. Elle m'harcèle. Il va se dépêcher, oui. C'est pour ça que je coupe mon appareil. Sourd, je reste sourd. Elle me gueule dessus nuit et jour. Ça l'arsène. Viens ici, je te dis, viens ici. C'est pour ça que je coupe mon appareil. Dis donc, je t'avais demandé de passer faire des courses, t'as oublié? Oh maman, mais parle pas si loin, je t'entends pas. Mais il a encore laissé ses bottes pleines de terre là. Ouais, des pommes de terre, on en a mangé hier. Oh, des pommes de terre, des bottes pleines de terre. Hein? Moi je comprends pas. T'es gentil, t'emmèneras ton assiette dans la cuisine. Mais non, je l'ai pas vu. Mais il faut pas me parler comme ça. Qui? Oh, qu'est-ce qu'est mon merde? Sourd, je deviens sourd. J'ai le sonotone, c'est fait pour ça l'arsène. Hé, hey, c'est simple, j'en peux pas entendre. Puis ça vient pas des oreilles. Sourd, je deviens sourd. Elle casse les pieds nuit et jour. Elle m'harcèle. C'est pour ça que je coupe mon appareil. Voilà. Qui? On est barman. C'est pas canne ici. Salut les amis, on est Franck et Mickey, en hiver on habite Paris. Tous les ans en été on vient travailler au petit bar de la plage du Thon Plombé. Et pour amuser tous les badauds, on a trouvé un truc nouveau. Avec une paille ou un tuyau, on fait des bulles dans un verre d'eau. On est barman. Vous aurez toujours pas du champagne. On est barman. Barman. On a essayé avec du porto, on n'a pas pu finir le morceau. On a essayé dans le jus d'abricot, mais on peut pas, c'est plein de grumeaux. On a essayé avec le nez, avec un tout petit verre d'eau. La paille est remontée au cerveau, mais elle a rien trouvé en haut. On est barman. Un jambon beurre, une bière pour la dose. Je croûte de la 8, ça marche. L'addition de la 5. J'emporte un Perrier rondelle avec une grosse rondelle. Deux pastis, trois portos de bière. Ça marche. Oui, bonjour, est-ce que vous aurez des chips? Vous voulez pas des moules non plus? Bon, mon Perrier rondelle, ça vient? Moi j'ai le Perrier. Et moi j'ai la rondelle. Ah, c'est...
pourquoi? Est-ce que je peux avoir un lait fraise? Un lait fraise? On n'a pas de lait ici. Y'a que chez nous, pendant tout l'été, on entend glou-glou partout. On a l'impression que c'est un raz-de-marée, mais c'est rien du tout, c'est nous, c'est nous. Cet été, on va faire plus fort, on va souffler comme des fous. Pour faire des bulles dans la mer du Nord, en soufflant dans les tubes d'égout. On est barman. Vous avez toujours pas du champagne? Aubergiste, est-ce que mon verre de qu'est-ce que j'ai demandé, il vient de... Je pourrais pas avoir une petite menthe à l'eau? Allô, une menthe? La 12, ça marche. Est-ce que vous auriez des chips? J'encaisse la 8. J'emporte un Perrier rondelle avec une grosse rondelle. Ouh, c'est moi pour la rondelle. Deux pastis, trois portos de bière. Ça marche. Yeah, on est barman. Mais enfin, je comprends pas, je t'ai déjà demandé du champagne. Des cochons, des moutons.
Oh bah regarde, t'as fait tomber le 16-6. Qui ça? Là. Le 16-6. Mais oh, laisse-moi. Oh. Hey! Quoi? Qu'est-ce que t'as fait cet été? Cet été, j'étais en cure. En cure? Ouais, même que le médecin, il dit qu'il faut boire 1,5 litre par jour. Ah bah ça doit pas être facile. Non mais ça va, j'étais à Chinon. À Chinon? Ouais. Oui, c'est mieux. Ouais, ça aide. C'est sûr. Ouais. Tu veux que je te dise? Ouais, une bonne grosse journée de travail, je prendrais bien un bon gros bain ou une bonne grosse douche, tu vois? Eh ben moi aussi. Quoi? J'aimerais bien que tu te laves. Alors, regarde-moi l'autre gros là, avec son cigare, l'habillé en ministre. Ouais, ça. Et ça joue les malins, ça joue les malins. Hé! Hey! Du con! Moi, ce qui me gêne dans le cigare, c'est le prix. La chanson des deux cons. Voilà. Alors. Les préférés du patron. Hé, hey, gad. Quoi, hey, quoi? Gad, j'ai joué au super loto. Ah, et alors? Alors, j'ai super perdu. Les préférés du patron. Oh, mais arrête d'éternuer. C'est un pastis que j'ai demandé, pas un perroquet. Regarde bien. Quoi? Je vais te faire un truc, je vais te faire un moustique. Bon. Je sais bien le faire parce qu'en Espagne, l'année dernière, on en avait plein. Moustique. Hé. Hein? Je crois que tu es sous. Oh bah dis donc, t'en as un chouette magnétophone. Ah oui, mais je sais pas trop comment ça marche alors. Et tout le monde connaît les deux cons. Et tout le monde reprend la chanson. Et tout le monde connaît les deux cons. Et tout le monde reprend la chanson. Oh bah, 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 oh bah. Alors attention, attention, j'ai un jeu. Ah ben voilà autre chose. La chanson des deux cons. Tu sais combien ça fait 25-50 et puis 25-50? 50-50. Non. Ah, 51. Oui, patron, 2. Oh non, c'est con ton jeu. Ah, attends. Regarde. 4, 3, 2, 1. Ouais, vous m'arrangez ce pistolet, hein, sinon moi je vous sers plus. Oh, oh bah non, alors. On déconne. On rigole alors. On revient, on va chez Nénès. Ressemble à deux quenelles pas belles.
Yeah.